En matière de climat, justement, l'accord de Paris est entré en vigueur il y a un an. Les pays signataires se sont engagés à réduire les émissions de CO2. Mais d'après les Nations Unies, les efforts ne sont pas suffisants. Pascal Bollekens va nous l'expliquer. Les engagements pris pourraient ne pas être respectés. Notre planète va vers une augmentation catastrophique de la température si nous ne changeons pas radicalement nos modes de vie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le numéro un des Nations Unies lors d'une importante réunion justement sur le développement durable. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ont atteint des niveaux records. On a déjà dépassé et de loin le seuil critique des 400 parties par million. Et comme le confirme l'Organisme mondial de la météo, ce taux de CO2 continue d'augmenter. Autrement dit, nos actions et les mesures prises sont très loin des promesses tenues à Paris à la COP21 en 2015. Il y a encore un gouffre entre les actions qui ont été programmées et ce qui est indispensable pour limiter l'augmentation de la température sous les 2 degrés Celsius, voire si possible sous les 1,5 degrés. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie des 3 degrés d'augmentation, ce qui pourrait mener à la catastrophe. En réalité, ce sont les objectifs eux-mêmes qui ne sont pas assez ambitieux. On devrait viser tout de suite le zéro émission de gaz à effet de serre pour cet expert. Depuis 3 ans, elles ont cessé d'augmenter, c'est la première étape, mais on est toujours, même si elles n'augmentent plus, 2 fois au-delà du niveau qui serait nécessaire pour ne pas émettre plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber aujourd'hui. Et on sait que petit à petit, ces systèmes naturels vont pouvoir absorber de moins en moins, et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on doit arriver vers des émissions nulles si on veut simplement arrêter que le climat se réchauffe, même pas revenir en arrière. Pour lui, la balle est clairement dans notre camp. Si nous agissons, nous pouvons stabiliser la quantité de CO2 dans l'atmosphère et éviter, pourquoi pas, le scénario catastrophe.